Le tableau de Gustav Klimt, intitulé Dame à l'éventail, a été vendu aux enchères à Londres pour la somme record de 86 millions d'euros, dépassant son estimation et battant le précédent record européen détenu par la sculpture L'homme qui marche de Giacometti en 2010. Le prix total payé par l'acheteur, dont l'identité n'a pas été révélée, sera d'environ 99 millions d'euros, une fois les frais de vente inclus. Cette toile, réalisée en 1917, un an avant la mort de l'artiste, témoigne d'une modernité sans pareil, non seulement par sa composition et ses couleurs, mais également par son format carré, inédit à l'époque, qui résonne avec ce format qui sera si cher à Warhol. La Dame à l'éventail avait fait partie d'une collection privée depuis 1994 et donc aujourd'hui une pièce exceptionnelle, considérée comme l'une des plus belles et précieuses jamais proposées en Europe. À bientôt sur Expertisé.